Hello, aujourd'hui je réponds à une question. Qu'est-ce qui fait que l'on va choisir de rester dans une situation de souffrance alors qu'on a une solution qui nous est proposée? Je vous réponds en trois points. Premier point, cette souffrance, c'est ma zone de confort. Je la connais. Pour moi, c'est rassurant. Enfin, en tout cas, pour mon mental, c'est rassurant. Et lui, il ne veut pas changer les choses. Donc, il va choisir de rester dans la souffrance. Deuxièmement, choisir cette option va me faire perdre mon bénéfice secondaire. Mon bénéfice secondaire, c'est quelque chose que je gagne en restant dans cette situation. Quelque chose d'assez basique. Je suis malade, ça me fait souffrir. Mais si j'arrête d'être malade, je vais être obligée de retourner travailler alors que je ne supporte pas mon travail. Mon bénéfice secondaire est plus élevé que ma souffrance. Donc je vais rester dans ma souffrance. La troisième chose, c'est ma croyance. Si mes croyances me disent que pour être quelqu'un de bien, il faut que je réussisse en souffrant, pour pouvoir réussir, je vais souffrir. Si dans ma croyance, la vie est dure et elle doit être pénible, ma vie doit être pénible, sinon ça veut dire que je suis mort. Donc toutes ces souffrances-là vont avoir une raison d'être. Pour autant, ce n'est pas une fatalité. Il y a toujours possibilité de pouvoir modifier les choses, créer quelque chose de nouveau. À bientôt. Bye bye. Partage à une personne à qui tu veux du bien.